Voilà. J'ai rien, hein, c'est vanilla. Hein. C'est le but de ce plétrou. Le but de ce plétrou, c'est de le faire sans rien. Full vanilla. Ok, alors. J'ai 2 minutes 40. On va mettre de l'huile dans la poêle. Hop là. Et on met le saumon. Je pourrais même les faire cuire en fait. Le problème c'est que si je les fais cuire. Ouais. Bon, on va peut-être pas les faire cuire. Mais on va tout préparer. Par exemple, donc on a un saumon là, on a des patates, on a la soupe qui est encore chaude. Hein. Y a quoi là-dedans? Y a rien. Là-dedans, y a quoi? Y a rien, nada. Oula, oula. Ok. Super. Préparons une assiette, tiens. Il y en avait déjà une là, c'est pas grave, il y en aura une deuxième. On coupe un citron. Coupons un citron. Alors c'est A et D. Oh, c'est un peu bizarre. Paf. Paf. Quelle curieuse manière de couper. Voilà. C'est bon. Hop. On peut même en préparer une deuxième. Incroyable, la hype est au maximum. Après, il y a le borscht aussi, hein. Ils vont forcément vouloir un borscht. Fut une époque, je savais comment ça se faisait. Mais aujourd'hui, j'ai catégoriquement tout oublié. Ce n'est pas grave. Pas grave, on va improviser, hein. L'improvisation va être totale. Ok, il reste 10 secondes. Si je suis courageux, je vais voir la recette du birch. Du birch. Oh là là, un bouillon, mille. Mais... Ok, il faut racheter du bouillon. Le bouillon, le bouillon. Bouillon de poulet. Hop. Je pense qu'on peut commencer à faire ça. Hein. On peut racheter une casserole, tiens. C'est quoi ça? Soupe de tomates. Oh bah écoutez. Écoutez, c'est parfait. Paf. C'est parfait, il me faut juste ma louche. Voilà, hop. La soupe est chaude. Voilà, ça c'est de l'efficacité. Renommé 36 sur 30. Et oui, tout est parfait, évidemment que tout est parfait. Bon, alors du coup, il va y avoir le critique, non? Pour. Non, pas de critique. Tant pis. Alors, bouillon de poulet, sel, poivre, betterave. Ouais. J'ai besoin d'une casserole. Petite casserole. Non, moi je veux une grande casserole. Voilà, je veux une grande casserole. Ça coûte de l'argent, mais écoutez, il faut bien ce qu'il faut. Hop, ça, ça sera poubelle. Ensuite, il y a du sel et du poivre. Sel, poivre, 20 grammes. Oui. Pour le moment, ils sont encore sympas. C'est toujours une commande par une commande. On n'est pas dans les ambiances de panique habituelles. Ah, surtout avec les temps de préparation de base qui sont assez restreints. Ça va être incroyable. 600 betteraves, de l'oignon, carotte, persil. Ouais.
Betterave. 360, 480, 600. Ok. Oignon. 120. Merde. Carotte, 70. Une carotte. Et 80 grammes de persil. Alors, anecdote, la première fois que j'ai joué au jeu, je croyais que le persil c'était ça. Du coup, j'ai mis 40 feuilles de. Oula, 40 feuilles de persil. C'était incroyable. Tac, tac, tac. Donc, on met là-dessus. C'est ça, hein. 2 minutes. Hop, 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 minutes? On a déjà ça et ça qui sont prêts. On peut peut-être lancer la cuisson. Hein. On va lancer la cuisson des patates. Merde. Hop, cuisson des patates, cuisson du saumon. Voilà. Ça y est. On va faire tout en même temps et ça va être dramatique. Attendez. Je maîtrise parfaitement la situation, pour l'instant. Ça va vite changer. Très très vite, voilà. On commence à se réhabituer à faire 1000 trucs en même temps. 300 grammes dans une assiette. Ok, alors on va prendre l'assiette. Assiette, on va la mettre ici. Ah mais faut pas mixer? Faire bouillir. Ah non. Faut pas mixer, faut juste faire bouillir et tu verses le liquide. Super. Une espèce d'infusion finalement. Ok. On va rester concentré sur nos cuissons. D'abord le saumon, puis le borsch, puis les pommes de non, puis la truite, puis les pommes de terre, un truc comme ça. Ah. Hop. Voilà, ensuite. Alors on a 25 secondes. Ouais, ça va, on a le temps. Tranquille. Il veut que un borch, hein. 3 minutes, ça va aller. On est large. Attends, quoi? Pourquoi je vois que les bébés? Et putain! Ah! Ok. Tac. Tac. C'est bon, la truite c'est bon. Ça. Ça c'est bon. On arrête. Ça. Ça c'est bon aussi, on arrête. Ok, on s'en sort bien. Moi je trouve qu'on s'en sort bien. Juste rester concentré là-dessus. Alors, pourquoi il cuit plus? Allô? Voilà, ensuite, on prend le liquide. Deux louches. Deux louches, on a dit. Voilà. C'est bon. C'est bon. Mais oui. Il est pas fait. Il est parfait, mon borch. Absolument parfait. Il reste combien? Il reste combien de... Il reste 400 ml, c'est un drame. Ah, la truite au four. Justement, c'est prêt. Faut juste durer fort. Ouais, fort. Boum. Voilà, ça paye de se préparer.
Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? De la soupe. Mais pour qui vous m'avez pris? Pour qui en fait? Allez hop. On fait varier un petit peu les plaisirs. On va mettre dans un bol. Où est la louche? Elle est là. Tac. La soupe. La bonne sous-soupe. Ah merde, je peux pas. Oh là là, quel merdier. Dommage. J'aurais pu remettre dedans, mais... Oh, putain. Ça y est, on y est. C'est la panique. De souvenir, on pouvait servir la soupe dans les bols, mais... Mais les bols, ils sont... Ils sont très réduits, en fait. Les bols sont très réduits. Quel gâchis, quel gaspillage. C'est pas grave. Ça va aller. Ah, quelque chose à reprocher au goût. C'est trop froid. Ah, bah écoutez... Moi je réchauffe, hein. Pas de problème. Ah, le saumon, ok. Tout est prêt. Il y a juste à mettre dans une assiette et servir. Ça, c'est l'avantage. Putain. C'est bon. Les anticorps. Les anticorps, c'est bien, c'est bon. Voilà. Comment ça, le goût est pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pas bien. Erreur de cuisson. Vraiment? C'est bon, ça va. Oh, le borch. Ok, il reste combien? On avait dit qu'il restait genre 400 millilitres. Ça veut dire que après celle-là, il va falloir en refaire. Quel drame. Si j'avais pas tout renversé. Borch. Faut que j'oublie la soupe. Hein. Bon, normalement, d'ici le jour prochain, il y aura la critique pour la deuxième étoile. Ce serait bien. Encore un saumon. Ok. Donc là, on est d'accord. Il n'y a plus ce qu'il faut. Il y a 100 ml, c'est trop peu. On balance tout. Voilà, et on en refera. La soupe. La soupe, s'est allumée, ça l'a réchauffé. Ça on balance. Mets ça là-dedans. Ça on balance. Tac. Allez, on chope le coup de main. 10 ml de mémoire. Hop, voilà. Le saumon, j'en avais pas préparé un. Non. J'en avais préparé qu'un seul. Un poivre. C'est bien du poivre que j'ai là, oui, je pense. 5. Tu mets ça là-dedans. Tu mets à 1 minute. Et tu mets à cuire. Ensuite, là, il faut mettre 1 litre d'eau. Ah. Vous inquiétez pas, c'est une disposition parfaitement optimisée pour la casserole. Aucun risque. Deux patates pendant 2 minutes. On commence à rechoper le coup. C'est bien. C'est bien. Le tout dans une vulgaire assiette classique. Ah! Très bien.
Un peu de magie noire ne fait pas de mal. Ça, ça se balance. Ça, c'est quoi? C'est le saumon. Le saumon, vite. Tac. On retourne. Incroyable. Quelle dextérité. Hop, hop, hop. Il y a un truc là-dedans, ouais. On va mettre ça là-dedans. Ah. Ah ouais. Attendez, je... Ah ouais, le mec, quand il nettoie, il... ça doit être très drôle à voir. Bref, on s'en fout. Tout ceci n'a aucune importance. Qu'est-ce que je peux faire? Le borch. Je peux repréparer un borch. Ouais. Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bouillon de poulet... là-dedans. Tac. Qu'est-ce qui pourrait mal se... Attends, le borsch, c'était bien du bouillon de poulet. C'était pas de l'eau. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ça, c'est bientôt bon. Ouais, je crois que c'était du bouillon de poulet. Hein. De mémoire, il nous faut 5 betteraves. 5 betteraves... un persil, une carotte, un oignon. Tac. Paf. C'est bon, tout est sous contrôle. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est très tranquille. Profitons. Profitons, profitons tant que ça dure. Ouch. C'est bon? C'est bon pour aujourd'hui? Non, toujours pas? Il est quelle heure? Ah ouais, non, c'est loin d'être fini. La truite au four. Ouais, il y en a une de prête. On va mettre ça là-dedans. Hop. Mais mets-le dedans, mon... Ok, hop. Pendant une minute. Une minute. 30. Parfait. Ensuite, mon borch. C'est pendant combien de temps? Le borch. Merde, le sel et le poivre. Oh non. J'ai pas mis le sel et le poivre. Nous allons... Faut bien que ce soit dans le bouillon. Mais tout va dans la betterave et dans le... Je veux que ce soit dans la mixture. Bon, il sera un petit peu salé votre borch, hein, mais... ça fait partie du charme de la cuisine. C'est local. Ce sera bien poivré aussi, mais vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura une cruche de 3 litres d'eau à côté de vous pendant votre repas. Combien de temps? 2 minutes. 2 minutes du peuple. Paf. Oh, pas Ganyam style. Parfait. Sensationnel. Je pense... Ouais, on va se la jouer rapia. Si on me redemande de la soupe, je mettrai des quantités un peu moindres pour pouvoir faire deux soupes avec ce que j'ai. C'est bon, c'est cuit, hop. Ah, le réfort est juste là. Parfait. On progresse. Tac. Hop là.
On ne prend plus de commandes. Fini, on commence à nettoyer la cuisine. Parfait. Hop. On met ça là-dedans. On va remettre un litre d'eau qu'on va saler pour les prochaines patates. Là, c'est pareil, on va remettre de l'huile. De l'huile. Et là, de l'eau. Tac. Qu'on place ici. Il faut qu'on le sale. Et tant que j'y suis, je vais préparer un saumon. Hop. 5 grammes de poivre. Où est le sel? Le sel est là. Hop là. Parfait. Alors, il en est où le borsch? La soupe. La soupe a l'air bien. Hop. Fort bien, fort bien. L'eau a été salée. On va même mettre les patates directement. Les pommes de terre. On aime ça, les patates. On n'en est pas encore aux frites, aux trucs comme ça, ça va. 2 minutes! Oh bah il en reste 2 minutes, dis donc. Tiens, si je faisais un coup de ménage, hein, pour changer. Hop. S'il y a une inspection, je suis pas dans la merde. Hop, ça là. Ce sera tout, ça faut l'éteindre. Ah oui, il serait qu'à l'histoire de l'usure des équipements. On va checker ça, tiens. Même si pour l'instant, je pense qu'on est good à 94%. Et celui-là, il a combien? Il doit être à 100% du coup. Ouais, parce que là, c'est comme ça. Et... Ah. 85%. Bah écoutez, tant qu'à faire, 5 $ 12 secondes, 5 $ 38 secondes. Allez hop. Puis tant qu'à faire là aussi, allez. Petit entretien, ça évite de se faire surprendre. La soupe, c'est bon. Ouais. Non, ça c'est bon. Une truite peut-être. Allez hop. On va préparer une truite. Hop. La truite est prête. Et voilà, 64 de renommée, 34 points de cuisine, 150 de dépenses. Ok, on a fait des bénéfices aujourd'hui. C'est pas dommage. Ah, le critique gastronomique. Impressionne-le et tout le monde entendra parler de nous. Incroyable. Jusqu'au drame. Allez.